Ok, rebonjour, c'est de nouveau Chaos 92, c'est bon, j'ai envoyé un retour à Epic Games qui devrait avoir corrigé ce bug spécialement pour moi. Donc normalement pas de soucis sur cette deuxième partie. Le top 1 devrait être assuré. Je me suis également équipé de petits biscuits. Il s'agit des Chabrières Bio, j'en profite pour leur faire une petite pub, c'est vraiment des petits biscuits excellents. Et comme notre nom l'indique, ils sont non pas Chabrières mais bien bio. Donc c'est un bon geste pour la planète, puisque sur l'emballage il y a beaucoup de verre. Il y a marqué certifié agriculture biologique et des trucs écolo, donc c'est forcément méga bio et très très bon pour la planète. Donc Chabrières Bio, Intermarché, n'hésitez pas, dites-leur que vous venez de ma part, code promo Calas92, voilà. Donc sans plus tarder, toujours la même chose, le pouce bleu en cas de chambrage qui marche. On tente un chaud bouillant. Notamment l'imote la plus chère que j'ai. Ça marche pas. Ouh, attendez une minute. Incroyable. Ça fait déjà un kill. Un kill du regard. C'est toujours appréciable pour bien commencer. On va pouvoir faire un petit lucky landing. Il y aura de l'action. Parce que c'est juste à côté. C'est juste à côté du passage du bus. Donc nécessairement les gens vont s'y retrouver parce que tout le monde connaît la qualité de cet endroit. J'aimerais bien faire 4 ou 5 kills à Lucky pour commencer la partie comme il faut. Tout simplement. Donc là bon, l'atterrissage ne pose aucun souci. C'est vraiment un endroit qu'on connaît bien. Bon, peut-être même un peu haut. Regardez, regardez, il y a ma victime là. On la voit. Avec son parapluie de vainqueur de la saison. Ah, il est mieux. Il est mieux mais il n'y va pas. Où est-ce qu'il va? Regardez où est-ce qu'il va. Ok, c'est noté. Vite, 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 avant qu'il me dépop. Ok. On chope, parfait, un petit pistolet gris, ça fait des headshots à. Oh putain, y'a rien. Si, fusil à pompe, c'est bon. Regardez-le là, il me cherche. Mais attendez. Je suis dans la merde, j'arrive pas à monter. Ah, c'est toujours mon petit péché mignon cet endroit parce qu'en fait. Voilà, j'ai pas trop le choix. J'ai l'impression qu'il a. Il a pas l'air très fort, hein. C'est peut-être ma chance. Hein. Attendez une minute. Est-ce qu'il va sauter? Il est là. Regardez-le. Bon, on va à l'aggro. On va à l'aggro parce que là on a l'avantage. On a l'avantage du terrain, on sait où on est. Oh merde. Il est fou lui. Il se prend pour qui? Il est malade lui. Attends, je crois qu'il sait pas où je suis. Ça va connecter. Il descend là. Ouais, il descend. Il est là. Il est où? Oh mon dieu, ça a pas l'air très fort, ça se tente hein. On va tenter un wall jump. Oh merde, il a tout cassé. Voilà. Ah, je suis vraiment très con. C'est vraiment un duel extrêmement intense. Qu'est-ce qu'il branle? Bon. Il est chez moi là. Ouais, je crois qu'il est chez moi. Hein. Il est là-haut. Regardez-le. On le voit là-haut. Un duel extrêmement intense, donc je suis désolé de se concentrer parce que c'est un joueur de qualité manifestement en face. J'ai pas envie de faire de conneries. On va tenter le rush. Vous allez voir, ça va aller très vite. C'est pour vous les abonnés que je le fais. Un petit coup de tir de sommation. Il va pas comprendre d'où ça vient, il va se cacher. Et maintenant c'est parti. Nanana. Ah merde. Je suis essoufflé, j'arrive plus à monter. Ok, il est là. Après, duel de qualité, on va se connecter. Attendez, je vais mourir là.
Hop là, voilà, Gotaga éliminé, la partie peut commencer, on récupère du stuff, et la partie commence. Donc j'ai perdu un point de vie dans l'histoire, bon, correct. Maintenant, où est la zone? On va le savoir tout de suite, c'est parti, la partie peut commencer, la zone n'est pas loin. Donc si on se presse techniquement, je vous l'avais dit que ça allait être ma petite victime avec son parapluie de vainqueur. C'était quand même un vainqueur de top 1, donc forcément un joueur de qualité. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce duel. C'était pas le plus simple, c'était pas non plus le plus compliqué effectivement, mais ça fait toujours plaisir. Donc on récupère les coffres là, on connaît bien, on maîtrise bien les déplacements ici. Avoir des armes de qualité moyenne. Donc là je sais que je vais galérer, donc technique, on casse tout. Comme ça au moins on est sûr de rentrer facilement dans le building. Là ça m'arrange parce que je vais tout boire tout simplement. Non je vais peut-être garder ça. Ah mais je suis très con. C'est pas ce que je voulais faire. Qu'importe. Je suis à 100% de vie, c'est l'essentiel. Donc on enchaîne, on recharge l'AR et on fouille. Donc la partie fouille elle est peut-être pas très intéressante, je devrais la couper au montage. Je la couperai au montage. Voilà, donc à tout à l'heure. Donc soit à moins qu'il se passe quelque chose. Non, c'est une petite décoration d'Halloween qui m'a fait peur, ce sont des choses qui arrivent. Donc à moins qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel, je vous revois tout à l'heure. A tout de suite. Donc j'ai trouvé une boîte de nuit, un petit secret, je pense que personne ne l'avait encore celui-ci. Je vous indiquerai sur mon compte Twitter où se trouve l'emplacement de cette boîte de nuit. Et je donnerai rendez-vous à tous mes abonnés le 27 septembre pour le concours de danse Fortnite. Voilà, donc rendez-vous le 27 septembre pour ce grand concours. A bientôt. Bon, petit point sur la situation. J'ai perdu un peu de temps en boîte de nuit, j'ai rencontré quelques difficultés sur la route également en raison des intempéries. Donc là je me sens obligé de temporiser, je décide d'abandonner le sniper. Voilà, je vous dis pourquoi, parce que je manque d'automatique, d'armement automatique courte portée. Hein. Je dispose d'un arsenal correct avec ce fusil à pompe qui me permettra, je pense, de terminer top 1 corps à corps, là blême. Enfin rien n'est moins sûr, mais je compte surtout m'échapper avec cette faille toute prête que voici à l'arrivée de la nouvelle base. Hein. Je vous donne un petit, je vous fais le topo. Là, il y a des zones intéressantes, Tilted, Greasy, Shifty. Ce sont des zones que tout bon joueur de Fortnite se doit de connaître comme sa poche. Et il faut savoir qu'il y a de nombreuses poches dans Fortnite, hein, donc c'est pas forcément évident. C'est pas un jeu accessible à tous, hein, mais Epic Games s'en est jamais vanté. Hein, ça a des exigences, un jeu qui a des exigences. On peut pas faire n'importe quoi, on peut pas. Il y a des codes, c'est restrictif. Mais une fois qu'on les a maîtrisés, une fois qu'on a été accepté par la communauté, c'est que du bonheur. Donc là, la faille est toute proche, la zone est toute proche pour moi. Voyons voir l'état du relief. On a une zone sinistrée ici où ça va être une véritable boucherie. Peut-être une ou deux personnes qui viennent de Greasy, et il y a surtout beaucoup de cachettes dans Shifty et une petite colline ici, donc allons pourquoi pas voir les cachettes de Shifty éventuellement. Ou alors j'arrive sur la colline, attendez, j'aimerais bien savoir où elle est exactement, si ça en vaut la peine. Elle se trouve ici, c'est cet arbre magique là, c'est un peu moyen. Donc peut-être un atterrissage dans Shifty pour se cacher ensuite à l'intérieur, on va tenter. Et pour cela je dois tenter une technique, vous allez voir, attention ça va aller très vite, je vais utiliser la faille, je vais récupérer mine, regardez ça va très vite. Petite astuce de chef. Donc 11 personnes, oh merde, alors Shifty n'est peut-être pas une bonne idée parce qu'il y a manifestement de très bons joueurs qui ont fait une belle construction là, juste là. On verra ce que ça donne et on va tenter une plongée dans les entrailles de Shifty. Oh, j'ai failli me suicider. Oh merde. Nous ne sommes pas seuls. On n'est pas tout seul. Il y a un piège à glace, c'est vraiment un piège utile. Un game changer, comme on dit, dans le milieu. À mon avis, si je me cache suffisamment bien dans les fondations, je devrais m'en sortir sans trop de problèmes. Ah, ils ont des snipers, hein. Ils ont des snipers lourds manifestement. C'est pas bon pour moi ça.
J'ai pas l'équipement. Si je perds, c'est potentiellement à cause de l'équipement, mon drop hasardeux. Et malheureusement, qui n'est pas allé en ma faveur. Bon, c'est comme ça, hein, ce sont les aléas du métier. Derrière, la partie est quand même correcte. Hein, on fait 5 kills. Bon, ça reste bien. Regardez, un coiffe au brûlier. Ce coiffe au brûlier est peut-être mon salut. C'est bien ça. Oh. J'aurais difficilement mieux qu'un buisson dans ma situation. Maintenant, il s'agirait de ressortir de là discrètement et de se placer comme il faut en buisson. Seulement j'avais un sniper, je ferais une cible tellement facile. Il ne reste que 7 personnes, c'est-à-dire 6 inconnus. La zone est proche, c'est ma chance. Tentons une approche discrète, en buisson, en me déplaçant très lentement de la sorte. J'ouvre mes chakras. La route pas autorisé au buisson. Il faut donc rester un minimum de temps sur cette zone. Voilà. Parfaitement invisible. Scanner son environnement est la clé du succès dans Fortnite. Il faut savoir saisir les opportunités telles qu'elles viennent. Là-bas, quelqu'un mange des champignons dans la forêt. Regardez-le. Il se déplace à une vitesse folle. Sûrement un expert. Ou un cheater. J'hésite. Je ne sais pas quoi faire. Qu'importe le résultat de cette partie. Vous serez détendu à la fin. Voilà, petit pas, petit pas. Un caillou m'a mis un coup de pression, je dois vous l'avouer. J'en suis pas. Repéré! La fin de la SMR! C'est fini! Il va croire que je suis nul. Je dispose d'un minimum de construction, je suis dans la merde. Ouais, je vous le dis, je suis dans la merde. Pas ouf. Hop là! Merde, 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 merde. Je suis pas au mieux là, je suis pas au mieux de ma forme. Bon, c'est la fin de la SMR, vous m'en voudrez pas. 8 de vie, 8 de vie malheureusement, j'ai pas... Oh, il y a encore un mort, il reste 4 personnes. 4 personnes. Ah, ça va être vraiment chaud là. Ça va être vraiment chaud. Ah, je sais pas quoi faire. Il est où? Il y en a un qui est tombé, il doit y avoir des trucs à ramasser là-bas. Il faut que je chante quelque chose. Il faut que je chante quelque chose là, faut que je le fasse pour les abonnés. C'est parti. Non. Yes. Yes.
On est à 100-100, on a quelques armes, il me faudrait quelques munitions, j'ai des ressources. On est pas mal, on est pas mal, il y a potentiellement quelque chose à faire là. Moi qui vous le dis. Ok, c'est parti. Pistolet silencieux, ça ne m'intéresse pas. Ouh, il y a quelqu'un juste là. Peut-être une pierre d'invisibilité, ça serait le bon moment. Il y en a une là-haut. C'est parti. Là-bas, j'ai vu une arme. Est-ce que ça m'intéresse, ça? On dirait que c'est un fusil de chasseur bleu. Je prends. Oh, il se déplace en invisibilité, regardez, on le voit. Regardez-moi ce fourbe. Trois personnes. Oh bon Dieu. On doit tous être invisibles à ce moment. Oh, l'ascension est insoutenable. On doit être tous les trois invisibles, c'est incroyable ce qui se passe, cette fin de partie. Un buisson, c'est étonnant ça, non? Il est là, regardez, regardez, on le voit parfaitement. Maintenant! J'ai le cœur qui bat vite. Pour cette vidéo ASMR. Merci à tous. Faut que je me calme. Attendez. Bon, merci à Epic Games d'avoir corrigé ce bug. Je sais pas quoi dire. Abonnez-vous, partagez cette vidéo un maximum. Bon, je fais beaucoup de top 1, donc c'est pour ça que je suis pas super ému. Mais bon, voilà, c'est là il était particulier celui-ci quand même parce que c'est l'anniversaire de ma mère, donc je lui dédicace cette victoire, elle est pour toi, maman. Allez, merci, au revoir. Hein.